de Camerún. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Set. The focus is required. The action is not and starting after that nasty looking head injury. Bijou will lead the line. Cheku Kouyaté returns from a ban to the bench. Watford's is as the captain, a regular at right back in his time in the EFL and Premier League, is to do whatever they can tonight to get the job done. Get us started. The last of the AFCON quarterfinals is underway. Certainly Senegal, you think, had the potential to be more. And you mentioned the lack of early Senegal goals so far. The looking for Ivan Salvador, who is a confident man, as you can see by his early strike at goal. Guinea on the back foot early doors. Quoted in the week of saying, I want this Africa Cup of Nations. I've been running out of the group. Indeed, they were bottom of their section. The likes of Algin to provide the focal point. Here he is. Options in the middle. Salvador. This is Hawana. The long ball and then a challenge from Salio Sis along with Carlos Sete Miranda, also known as Buach. Overlooked to attack down this side now to try and provoke an error from him, a costly one perhaps. Making the goal. And of course he would have wanted to have played in this. Senegal would want him to play in this now. Without the corner is taken swiftly. Juan Salvador goes searching for those. Avec Esteban Obiang qui a cherché Bengo. Carlos Sakapo qui a essayé de mettre ce ballon devant, qui est repris par les Camara. Diédiou qui a écarté vers Salou 6 la possibilité de centrer. Oh, c'est bien combiné. Sadio Mané lancé par Diédiou. Sadio Mané qui a trouvé Boulaye Dia. Sur la discipline. Très importante, on se souvient du match entre la Tunisie et le Nigeria. Remporte son corps en opposition pour faire la différence. Samara Diédiou qui n'arrive pas à distribuer ce ballon. Galet, c'est vrai. Vous avez... Mais là, il joue. Ouais. Il joue l'équipe de Guinée. Il joue. Hein. Terrain de la Guinée équatoriale prennent toute la largeur. Bounassar qui s'étend. Quelqu'un de ce match. C'est pour Gané et la prise de balle. Cette compétition. Oh, Mendy, c'est bien joué pour Famara Diédiou. Le contrôle était bon. Famara Diédiou encore. Frappe écrasée. Première possibilité pour Famara Diédiou, meilleur buteur dans les éliminatoires de la CAN de cette équipe du Sénégal. Sadio Mané, c'est bien joué dans la profondeur pour Famara Diédiou. Encore une fois, Sadio Mané. Et là, cette fois-ci, les passeurs pour le premier but dans une CAN de Famara Diédiou. Encore une fois, Mané est dans tous les bons coups et le Sénégal prend les devants. Imaginez la joie à Dakar, à Mbour, à Sali, les supporters sénégalais en transe avec cette ouverture du score. Nsoué et la Guinée équatoriale désormais menée. Le centre se passe pour un corner direct. Ce ballon enlevé de la tête, ça revient dans les tensions. Ce ballon dans la surface. Ouh, il est là encore Sadio Mané pour un centre. Et ce ballon in extremis alors que Boulaye Dia avait... Attention à Salio Sis qui s'échappe. Salio Sis pour un centre. Le ballon qui est dégagé en catastrophe sous pression parce qu'on était lancé. Côté sénégalais, il y avait Gaï qui est pied droit. Sadio Mané qui va faire la différence. L'accélération de Sadio Mané. Oh la passe, elle était bien. Ah bon, il lui a dit au passage. Il est s'approché. Il s'approchait de Sadio Mané. Et hop, on va le retrouver pour jouer vers Boulaye Dia. Cette passe. Soit. Et que club qu'il avait recruté là, du côté de Leicester. Parcours en patte. Équipe de France Espoir, U20, U19, U18, il a débuté en sélection en mars dernier et le voilà en quart de finale. De la Guinée équatoriale. Boulaye Dia qui a joué en retrait. Oh, la frappe terrible de l'extérieur de la surface de Nfalis Mendy. Nfalis Mendy, ce petit coup franc d'Idrissa Gueye, petit ballon dans la profondeur. Idrissa Gueye qui va rejouer vers Bounassar, c'est bien joué. Oh, on cherchait Famara Diédiou finalement, encore une fois miraculeusement. Final Belfort. Une poignée de secondes avant la mi-temps, c'est frappé, c'est dévié par le mur, c'était frappé. Il avait joué la feinte du côté des joueurs de la Guinée équatoriale et mène logiquement 1-0 face à la Guinée équatoriale. Sur les écrans. Pour le moment, le Sénégal est devant, pas de changement à la mi-temps ni du côté sénégalais.
pour frapper ce coup franc. C'est frappé, ça passe au-dessus, début. Si elle continue à être présente, on va jouer vers Ndong. Ndong qui va jouer vers Nsue. Iban qui réclame une main. Ah, il y aura pénalty. Main de Kalidou Koulibaly sur ce ballon en profondeur. Et non, il va redonner le ballon. Alors, c'est assez étonnant parce qu'en fait, au niveau de la réalisation, en fait, on a Sadio Mané. Mané encore. Son meilleur match. Hein. Elle ne subit pas. Beansport comme depuis le début de la compétition. Bounassar qui avait... Une balle au sol, une balle à terre, avec la possession pour Edouard Mendy. Et regardez, c'est ça qui explique la colère. Donc, cette injustice. Manu qui veut. Donc comme on n'a pas de plan large, c'est aussi très... Accordé, refusé parce que l'arbitre avait estimé que le ballon avait touché une autre partie dans le film du jeu du Sénégal dans le premier acte pour essayer d'aller marquer un deuxième but. Attention à ce ballon, l'ouverture était parfaite et cette fois-ci, il n'y a rien à dire. L'égalisation de Boula, le premier but encaissé par le Sénégal sur un mouvement collectif parfait. C'est dans le jeu que la Guinée équatoriale revient dans ce match. Et oui, moment de flottement, on est sorti un petit peu de cette rencontre, un petit peu de torpeur est venu au milieu de cette pelouse. Réagir. Avec Ismail Assar, effectivement ça peut être intéressant, 41e sélection tout à l'heure, qui a levé la tête intelligemment pour écarter. Akapo, le centre pour trouver Nsue. On est moins aussi Sadio Mané, on voit plus les joueurs de la Guinée équatoriale, l'édition de Bouila. On la frappe tentée par Pape Gaï qui prend sa chance, le Marseillais. On rappelle, c'est bien joué. Ismail Assar maintenant. Le sort d'Ismail Assar pour essayer de trouver. Alors c'est le cinquième pour le coach. Sans possession de balle. Ils ont fait vraiment un effort. Ça ne trompe pas hein, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début. Et arriba. Koulibaly. Coco, a ver, se confundieron. Cuyate, golazo. Hércules que estuvo también en Logroñés. Atención, Cis. Viene Cis atacando. Puede ser. ¡Golazo! Ismaila. Trail.